Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online, non pas pour un glitch mais une toute petite astuce qui a été trouvée par un anglais. Ou même je crois bien que c'était un espagnol, je sais plus trop, mais je crois que c'est... Je l'avais vu sur un anglais, mais je crois que c'est un espagnol qui avait trouvé cette petite astuce qui est vraiment très très fun. Donc cette astuce consiste tout simplement à suspendre l'option qu'il y a de Lester, c'est-à-dire la police ferme les yeux. Donc pour vous montrer que cela marche bel et bien, je me suis rendu dans la base militaire. Comme ça vous allez pouvoir voir que je vais rouler dans la base militaire sans aucun souci. Vous allez pouvoir voir aussi je ne m'y taupe pas étant donné que je serai dans la base militaire. Et après en fin de vidéo je vous montrerai bien que je vais arrêter de faire la manipulation et je vais tout de suite avoir 4 étoiles. Donc il y a beaucoup d'inconvénients avec cette petite astuce, c'est à dire que cette astuce vous ne pourrez tout simplement pas tirer avec, vous pourrez tirer avec une seule arme. Donc je vous conseille de la prédéfinir au début, donc c'est à dire que vous sortez de votre voiture, vous prenez l'arme que vous voudrez utiliser juste après, et après vous montez dans votre voiture et vous faites la manipulation. Donc moi j'ai utilisé le mini Uzi pour montrer qu'on pouvait tirer, mais sinon vous ne pourrez pas tirer avec un lance-roquette, faire péter des bombes collantes, etc. Donc pour réaliser cette astuce, vous allez tout simplement appeler Lester et lui demander l'option la police ferme les yeux. Donc une fois que cette option est validé, un compte à rebours va apparaître en bas à droite. Vous allez tout simplement attendre que les 10 dernières secondes apparaissent. Et une fois que les 10 dernières secondes sont apparues, vous allez tout simplement sélectionner votre téléphone et ouvrir votre téléphone. Donc vous allez pouvoir voir, on va faire la manipulation. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5. J'ouvre mon téléphone. Donc le compte à rebours était à 4 secondes. Donc là 3, 2, 1, 0. Donc là le compte pour la police ferme les yeux est normalement terminé, et pourtant je suis toujours dans la base militaire et je n'ai pas d'étoile et je peux tirer comme je le veux. Donc vous devez toujours laisser le téléphone activé. Donc vous pouvez pas appuyer sur A si vous faites flèche de droite ou flèche de gauche, flèche du haut, flèche du bas. Vous ne pourrez absolument rien sélectionner. Vous allez sélectionner les trucs sur votre téléphone mais vous ne pourrez pas faire péter de bombes collantes. Donc vous voyez bien que je suis dans la base militaire et pourtant je n'ai pas d'étoile. C'est vraiment une petite astuce assez fun que je vous conseille de faire si jamais vous voulez vous amuser à tuer des personnes dans la rue sans forcément avoir de problème. C'est vraiment quelque chose de fun. Donc là je vais sortir de ma voiture pour vous montrer que je peux tout simplement tirer avec mon arme, je peux faire ce que je veux, je n'ai pas les flics et pourtant je suis dans la base militaire. Là je vais retirer le téléphone et vous allez pouvoir voir que je vais avoir tout simplement les 4 étoiles et que que l'astuce est tout simplement terminée. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo, j'espère vraiment que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bye bye tout le monde.